Nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire que en fait, on fait des études et on est considéré comme un bac plus 2 alors qu'on fait 3 ans d'études et on voudrait passer en catégorie A parce que bon, on n'est pas jugé à notre propre valeur et voilà, on veut se battre pour ce qu'on apporte à l'hôpital, dans les services de soins et puis pour la prise en charge des patients. On est quand même un maillon indispensable et sans nous, je pense que l'hôpital il tourne pas. Et on est quand même les premiers maillons de la chaîne et voilà. Dès le début de la Covid, pour réaliser, on a été très sollicités pour faire les tests PCR. Tout de suite, nous avons adapté nos horaires de travail ainsi que nos journées de travail. On est revenu sur des dimanches, sur des week-ends. Tout le monde n'a pas hésité à se mobiliser. Et aujourd'hui, à l'heure du Ségur 2021, le gouvernement ne souhaite pas nous faire passer en catégorie A tout de suite par rapport à un prétexte de revalorisation des diplômes.